Et ça va? Qu'est-ce que c'est ça? Un ballon, vous en conviendrez? Mais si on le gonfle? Bah, il est déjà gonflé, vous allez me dire. Regardez. Et voilà! Petite bouteille! Ça, c'est moi. À ce moment-là, j'ai à peu près 13 ans. Ou 12, je crois. Je suis en plein apprentissage de la magie. J'apprends à être confortable avec des pièces, des cartes. Je reproduis les tours de mes magiciens préférés. À l'époque, David Stone était mon roi. J'apprenais à répéter un mouvement sans cesse pour qu'il paraisse le plus naturel possible. Pour qu'aux yeux des spectateurs, ça soit joli à regarder. Je passais des heures et des heures à répéter un même mouvement. À cette époque, je commençais à apprendre le flourish. Ça n'a pas été simple. J'ai commencé également à faire des spectacles, à faire mon intéressant. Juste avec un jeu de cartes et quelques forces à droite à gauche, j'arrivais à faire des miracles. À cette époque, j'ai également commencé à travailler des pièces. C'est marrant. Ce qu'on voit ici, je le reproduis exactement, voire mieux, aujourd'hui. Mais la technique reste la même. Mon Dieu, la tête que j'ai. Mais ma vie à 12-13 ans, c'était ça. C'était la répétition. Je passais des heures entières dans ma chambre à répéter un même mouvement, à répéter un tour de magie. Et dès que des gens voulaient voir de la magie, je ratais pas l'occasion de leur en présenter. Ça me rendait heureux. Ça me rendait heureux de voir que le temps passé à travailler pouvait émerveiller les gens. Alors, j'ai continué. Encore et toujours. Un tour de cordes, et oui, ce sont des cordes, non, ce ne sont pas des cartes, ce sont des cordes. Stop. Stop ici, ok, ah, on y va, comme ça, d'accord. C'est simple, on prend la cigarette, on la met comme ça, sous le coude et là, paf, disparu. Pas mal, hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas de fête sans bouteille, hein. À la vôtre, elle est belle, hein.
Là, faut que tu repars d'un seul coup, parce que là, faut pas que tu te bloques comme ça. Là, c'est toi. Je peux pas t'envoyer demain comme ça en faisant ce que tu fais, quoi. Il faut être vachement plus fun, quoi. On va juste l'allumer comme ça, et on aura l'impression de voir apparaître une pièce. C'est pas on aura l'impression. Et là, on a quoi? On a une pièce. Faut être beaucoup plus... Ah, putain. Sois percutant. J'ai envie d'arrêter, j'ai pas envie d'y aller demain. N'importe quoi, toi, mais tu réagis. Que t'as le choix, là. Tu réagis très mal en plus, c'est parce que. Mais t'as passe au fil. Putain, j'arrive pas trop à jouer, ça fait un. C'est bon. Et Mimo, faut arrêter d'être comme ça, Mimo. Faut sortir tout ça. Hein. Ah non, parce que là, faut grandir un peu, mon grand. Là, dans toi, là, maintenant, t'es grand, hein. Ouais, je sais. Ouais, mais t'as pas à réagir comme ça, moi. Ah non, Mimo. T'as pas le droit de réagir comme ça, quand tu réagis, là. T'as pas le droit. Tu l'as déjà fait. Oui, en plus, il sait très bien, là, en plus. Mais t'as pas le droit, mon grand, là. Non, mais à chaque fois, les répétitions, c'est une horreur, et quand je... Mais je vais dire, non, c'est pas une répétition. Parce que tu prends ça comme ça. Parce que dès qu'on dit quelque chose, t'acceptes pas. J'accepte, mais... Non, t'acceptes pas. Massimo, tu serais pas comme ça pour moi. Tu t'es entraîné tout seul. Est-ce qu'à un moment donné, t'as été drôle? Yeah.
besoin d'un petit échauffement, ça vous dérange pas? Wow, on commence. Excusez-moi. C'est ta carte. Oh. 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 Non, je blague, je blague, je blague, je blague.